Shalom, 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 et bien aimé dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse encore aujourd'hui pour la journée agréable qu'il nous a accordée. Et nous allons juste faire le résumé du message d'aujourd'hui, car Dieu nous a fait grâce au travers les messages, des messages qu'il a portés à son Église. Aujourd'hui, nous allons parler concernant la femme qui était infirme pendant 18 ans. Et de là, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a montré comment cette dame, qui était l'adepte de cette église pendant 18 ans, mais elle était toujours courbée, elle souffrait toujours dans l'infirmité dans sa vie. Mais la Bible dit, les jours où Jésus-Christ était venu dans cette église, Jésus a remarqué que cette femme a demeuré dans cette église. Mais pourquoi elle est toujours infirme? Et la Bible dit que Jésus-Christ pria pour elle et elle était sauvée de son infirmité. Mais la chose qui m'avait plus inspiré, c'était quoi? C'était l'attitude des chefs de synagogue. Les gens qui accueillent chaque dimanche ou chaque sabbat cette femme. Ce que je n'avais pas compris, la réaction de ces gens-là. Ils ont commencé à crier. Pourquoi vous les faites guérir seulement les jours du sabbat? Il y a tant de jours. C'est juste pour dire qu'il y a aussi des évangélistes, il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des apôtres et des prophètes qui dirigent aujourd'hui nos églises. Mais dans cette église, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes, qui ont des infirmités, comme cette femme. Mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Parce qu'il n'y a pas la révélation. C'est pourquoi la Bible dit, les peuples sans révélation, c'est un peuple sans foi. Donc, et Jésus avait raison de dire que qu'un aveugle conduise les autres aveugles et tous tomberont dans un même trou. C'est juste pour vous dire que les chefs de synagogue, ils étaient là comme des dirigeants, mais ils étaient des aveugles parce qu'ils ne voyaient pas la maladie. Il ne voyait pas l'infirmité, il ne voyait pas l'handicap. Heureusement, c'est lui qui avait la révélation. Lorsque cet homme est arrivé, tout était changé dans la vie de cette dame. C'est juste pour vous dire que même si tu as fait 10 ans dans l'église, tu as fait 15 ans dans l'église, tu as fait 20 ans dans l'église, là ne te dit pas que tu es guéri ou tu es délivré. Il faut qu'il y ait la parole avec la révélation que puisse arriver dans ta vie afin que tu sois guéri. Moi, je crois que avec ce peu de mots que je vais encore adresser devant vous, que Dieu fera encore de grandes choses dans vos vies. Car celui qui guérit, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre ni un évangéliste, mais c'est le Seigneur lui-même. En écoutant ce message, Laisse que le Saint-Esprit te touche là où tu es et que ton infirmité parte dans le nom de Jésus. Que notre Seigneur soit béni. Que mon Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Amen, pasteur. Moustakoli News avec Nilambungu. Vos informations en temps réel. La bonne information, c'est Moustakoli News. Quand les enfants n'arrivent pas au niveau de l'université, à un moment donné, il faut tout le bateau sur tout. Par où ils ont maillé là-bas. On fait ça, la vision des enfants et on amène ça dans les fonds des ténèbres. Nous allons tenir notre passe, nous allons prier même. Trop c'est tôt. Il faut libérer Pinayo Leno. Ça doit libérer ta vie aujourd'hui. Oui, aussi qu'à l'esclavage. Nous allons l'enlever.
Le loup,
chapitre. Les lois sont une journée de délivrance pour car aujourd'hui c'est une journée de la délivrance. Nous réunions sur la ténèbre, tout ce qui était des ténèbres, dans ta vie, et pas d'accord libérer, ça puisse délivrer, et ça puisse délivrer.
Même si tu es un femme,
Je
Des réclamations, les liens, les hôtels, liens familiaux. Nous allons détruire cela. Vous allez créer comme ça. Tu détruis cela. Tu frappes les mains. Tu vas à droite, à gauche. Tu vas à droite. Tu vas à gauche. Et tu vas à droite. Tu commences à marcher dans la salle. Tu frappes bien tes mains. La Bible dit. Pendant que toi tu vas commencer à frapper tes mains. Dans les cas d'économie. L'épée va commencer à les poursuivre. Ne lève pas, n'a pas de patience pas comme vous voulez. Commence à frapper. Il va gauche, il va droite. Il va commencer à détruire les hôtels, les lois établies, les réclamations, les liens. Tout. Au nom de Jésus, je détruis les hôtels, les familles, je détruis les lois établies. Get it back!
Amen.